session ordinaire de l'Assemblée nationale 2017 ont été particulièrement marquées par des séries de questions orales avec débat aux membres du gouvernement. Ces questions portent sur des sujets touchant à la vie sociopolitique, économique, éducative et culturelle. Loin d'être en procès devant la représentation nationale, ces séances d'interpellation ont donné l'occasion aux populations d'être au parfum des actions que mène le pouvoir public. Dans sa noble et exaltante mission qui est celle du contrôle de l'action gouvernementale, le Premier ministre a répondu à une demande de motion de censure adressée par la représentation nationale. Fahim Mbarak Albert devait se prononcer sur les 16 mesures prises par son gouvernement pour faire face à la crise que traverse le pays. Mais fort malheureusement, faute de quorum, les débats ont été reportés. L'appel nominal de mesdames et messieurs les députés dont le résultat suivant, présent 44, excusé 21, absent 110. Le quorum n'étant pas atteint, l'Assemblée nationale ne peut valablement délibérer. La séance est levée. Une dizaine de membres du gouvernement se sont également présentés devant les élus du peuple pour se prononcer sur la gestion de leur département. L'Assemblée nationale s'est évertuée au cours de l'année 2017 à toucher du doigt les maux qui minent le système éducatif à travers une enquête parlementaire sur l'ensemble du territoire national. Nous avons, à partir de ce débat du 14 juin, abordé là et mis en œuvre une activité à travers cette commission d'enquête parlementaire sur le système éducatif, la réalité urbaine, l'ambiance urbaine sur le plan éducatif tranche fortement avec la réalité sur le terrain. Et je pense que ça devrait interpeller sérieusement les autorités en charge de tous les aspects de l'éducation, de la formation et de la culture. Nous avons ressenti ça avec douleur pendant que nous étions sur le terrain, que d'autres activités de réforme du système éducatif puissent avoir cours en faisant en sorte que... Est-ce une façon de banaliser le travail des députés? Mais la réalité, le rapport nous dira qui a tort et qui a raison. En attendant les conclusions de cette enquête parlementaire, force est de constater que l'on assiste à la descente aux enfers du système éducatif. L'école tchadienne exige un plan de redressement en urgence. L'Assemblée nationale s'est aussi engagée à lutter contre la coupe abusive du bois vert en menant une enquête parlementaire dans la sous-préfecture rurale de Guelendey. Des arbres abattus et des fours pour la carbonisation du bois vert en charbon ont été découverts dans les forêts de certains villages de la dite sous-préfecture. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume la coupe abusive du bois dans la région, dans le département de Maïde-Lémé. Surtout à Guelendey rural, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de coupes abusives de bois. Et là, nous avons constaté aussi plusieurs foyers de fabrication de charbon, et qui était vraiment une grande tristesse pour les parlementaires que nous sommes. On était sur le terrain ici 11 fois pour sensibiliser la population, 11 fois, c'est 11 missions de sensibilisation. Mais nous devons encore doubler davantage avec l'aide des partenaires, le gouvernement. Il faudrait qu'ils mettent des moyens suffisants pour qu'on mette la sensibilisation et le reboisement. Sinon, vraiment, le phénomène est extrêmement grave. Dans une dynamique de promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, les élus du peuple ont adopté le projet de loi portant réforme de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette nouvelle loi est d'une grande importance pour la population tchadienne et permettra au pays de passer en octobre 2018 à l'examen périodique universel de l'Organisation des Nations Unies. D'autres instruments juridiques au profit de la population ont été également examinés. Par contre, l'extension de 16 mesures prises par le gouvernement a lourdement pesé sur les activités de l'Assemblée nationale. Nous avons senti le poids de la crise financière. Ça a impacté négativement sur la panoplie d'actions que nous voulions mener, chacun dans sa circonscription. Et vous savez, quand parfois, il vous devient difficile en tant qu'élu de vous rendre chez vous pendant l'intercession. C'est toujours, moralement, ce n'est pas bien. Pour contribuer au bien-être de la population, l'Assemblée nationale invite le gouvernement à développer de nouvelles stratégies afin de booster les activités des différents secteurs de la vie publique, ce qui contribuera au développement socio-économique du pays.
Elle appelle la population à la culture de la paix et à la cohabitation pacifique entre les différentes entités sociales.